Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et je vous remercie d'avoir euh, patienté pour le début de cette session. Parce que figurez-vous, ça fait 15 minutes que je suis tout seul en ligne et que personne ne me dit rien parce que je regarde le chat en diagonale, que vous vous êtes répondu les uns les autres, que je vous ai tous salués et euh, je me rends compte maintenant seulement que vous n'avez strictement rien vu du début. Donc je vais tout reprendre, c'est pas très très grave, c'est ma faute, j'avais qu'à y penser, j'avais qu'à être un tout petit peu plus frais, et, et, et c'est pas, pas très grave. J'ai aussi répondu du coup à la question de Marc qui me demandait si j'avais fini mon Benko. Oui, je l'ai fini depuis bien longtemps, figurez-vous, et, euh, et donc nous voilà enfin en ligne. Désolé pour l'attente. J'espère que vous avez tenu le choc jusqu'ici. Bien, Franck avec écho, me dit-on. Avec écho Non, pas d'écho. Si vous avez de l'écho, c'est peut-être que vous avez deux fenêtres ouvertes, euh, Marc. Ok. Donc, bienvenue. Dans ces quelques premières minutes, j'avais pris le temps de euh, partager avec vous mon dessin du jour, euh, dessin euh, intention bien entendu, et euh, cette intention en question, c'était de parler d'illustration, c'était de parler de. c'était de parler de euh, d'une session spécifique sur l'édition jeunesse. Euh, j'avais décidé de l'orienter sur euh, la partie édition jeunesse, et donc de vous partager rapidement mon écran pour démarrer pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne savent pas du tout où ils ont atterri aujourd'hui je vous partage mon écran. Ça va vous permettre de découvrir donc la page euh, de la chaîne YouTube Adobe France, sur laquelle vous êtes bien entendu abonné, sur laquelle vous avez bien entendu euh, récupéré toutes les informations qui peuvent vous intéresser, choisis les diffusions en direct. On a tous les jours à 14h des lives et tous les mardis à 10h on a des sessions dédiées aux applications. Je reçois régulièrement des invités. Toutes les, tous nos directs sont euh, rediffusés. En, en, tous nos directs sont rediffusés en différé euh, en replay. Vous pouvez tout à fait euh, arriver à la bourre, hein, comme je viens de le faire pour vous, euh, mais euh, vous allez pouvoir aussi euh, retrouver toutes ces sessions là, que ce soit donc les en direct du canapé à 14h, que ce soit les masterclass avec des invités, que ce soit de la photo, de la vidéo, de l'édition, etc. J'avais reçu d'ailleurs très récemment Monsieur jean Loufuse, euh, qui avec lequel on a pris le temps de faire l'édition d'un livre dont vous vous êtes le héros. Euh, donc ça, c'était plutôt chouette et ça va être un peu dans le thème de ce qu'on voit aujourd'hui. On a euh, aussi régulièrement des sessions tutoriels sur les applications, ben, un petit peu comme celle que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez y aller euh, tranquillement. Il y a à peu près euh, tout ce dont on a besoin. Et euh, vous allez pouvoir euh, piocher aussi si vous avez des domaines de prédilection comme ici la photo, le graphisme, la vidéo, etc. Vous pourrez piocher tranquillement dedans en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc voilà un petit peu pour le début. Petit rappel aussi pour les gens qui seraient intéressés sur ça. Vous avez accès aux besoins à une petite cloche pour lui demander sur les directs. Hop, alors faut remonter sur ceux où il y a des directs à venir, à définir un rappel. Et comme on a eu la discussion la semaine dernière, vous aurez deux mentions de rappel possibles, soit par YouTube, à condition que vous ayez bien demandé à YouTube de vous signaler le début d'une session, soit par l'application Creative Cloud, ou de temps en temps. On vous fera ici, vous aurez une petite cloche qui vous dira Maintenez, regardez, il y a des sessions en direct du canapé qui ont commencé et qui se sont euh, mises en place. Ok Donc, on ajuste un petit peu ça avec vous. Euh, tout ça, c'est pour vous, pour que vous tiriez au, le meilleur parti de votre Creative Cloud. Début de session oblige, je vous fais un petit saut sur beyonds.net. Beyonds.net, pourquoi Eh bien parce que c'est là que je vais chercher toutes les informations dont j'ai besoin, euh, toutes les inspirations pour comprendre un petit peu ce qui se fait en ce moment, pour comprendre à quoi ressemblent euh, les travaux des gens avec qui je bosse, par exemple Rachel Vimra, que vous avez déjà vu ici euh, continue de faire des illustrations vraiment chouettes euh, un petit peu dans tous les dans tous les, les, les thèmes on l'avait reçu sur le jeu Machiavellian à l'époque et elle continue de nous, nous faire Faire, de, de nous partager donc euh, ces illustrations ces visuels et tout tout est extrêmement euh, extrêmement fun et quand on cherche justement des problématiques d'édition, bah moi j'ai tendance à passer sur l'onglet découvrir de biant Découvrir pour avoir à la fois eh bien la partie graphisme, la partie photographie, euh, la partie animation par exemple. Mais si je cherche spécifiquement de l'illustration, évidemment je vais sur illustration. Et puis je vais pouvoir dire tiens je vais être sur illustration et je vais aller peut-être en dessin. Et en dessin, eh bien on va retrouver différents styles de dessin. On va trouver différentes manières de présenter tout ça. Ce qui sera intéressant pour nous aussi, c'est que on pourra demander dans Beyond, eh bien de rechercher et de filtrer. Donc ici, j'étais plutôt dans l'illustration, mais je cherche aussi à retrouver peut-être des illustrateurs qui sont euh, disponibles, qui sont diffusés pardon en France. Donc je vais taper FR et je vais bien appliquer les filtres. Oups, alors, FR, entrée. Très... Et je vais appliquer les filtres, voilà. Comme ça, je verrai des illustrateurs français. Mais si je cherche des gens qui ont fait des livres, eh bien, je vais rajouter livres parce qu'il y a de grandes chances qu'ils aient intégré dans leur contenu la réalisation du livre et qu'ils l'aient mis dans les textes. Petit sondage à main levée. Qui ici a déjà un portfolio sur Beyoncé ou au moins un, un compte Beyoncé BE0, 50 ou 100%? Deuxième point, euh, qui savait que au-delà de votre portfolio Biance vous aviez euh, accès à un site qu'on appelle MyPortfolio euh, et qui vous permet très facilement, alors je vais vous montrer l'exemple avec le mien, de reprendre votre contenu de, de, de réseau Biance et d'en réaliser ce qu'on appelle un Adobe portfolio sur lequel vous allez pouvoir retrouver eh bien, les mêmes contenus les mêmes mises en page ici je retrouve euh, tous les toutes les, les illustrations que j'ai mises en place tous les dossiers et je vais pouvoir choisir donc dans mes pages ce qui fait partie ou non des visuels sur mon site donc là est-ce que je rajoute les trois jours photo ou pas est-ce que je garde les, euh, cette série là etc etc je vais organiser mes contenus je vais organiser toutes mes pages et je vais pouvoir en plus, et ça c'est le point que j'aime bien à l'intérieur de Beyonce, c'est que je vais pouvoir lui demander petit plus d'ajouter une page et je pourrais rajouter des pages, pages d'accueil, Lightroom, etc., etc. Donc. Je vous convie à regarder ça. Ça fait partie de votre abonnement Creative Cloud. Euh, ce serait gâché de ne pas s'en servir. Derrière, vous pouvez sans problème rediriger votre nom de domaine que vous avez, que vous avez choisi à part pour aller piocher là-dedans. Et si vous êtes plus Beyond que MyPortfolio, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux qui sont liés. Ça, il n'y a aucun souci. Enfin, je termine donc cette petite réalisation. Une fois que j'en suis là, j'ai un bouton en bas à gauche qui s'appelle Mettre à jour le site. Donc je vais mettre à jour mon site directement. <coughs> le temps qu'il mette à jour donc il est en train d'envoyer les données, il est en train de partager tout ça et je peux aller voir le site sur myportfolio.com donc fr32c.myportfolio.com sur lequel j'ai retrouvé mes dernières mises à jour, les dernières réalisations. Ça va pour tout le monde Donc vous connaissiez bien, vous connaissiez pas portfolio, ben voilà, c'est le moment, c'est le moment de se lancer. J'avais mais j'ai plus, je suis plus que sur portfolio nous dit Camille bien que reçois un jour sur Beyond aussi. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on va faire, la manière dont on va pouvoir trouver nos artistes, dont on va pouvoir retrouver des inspirations, euh, quels que soient les, les, les thèmes que vous cherchez, a priori il y a beaucoup d'utilisateurs qui passent par là, et qui passent par là pour la promotion de leur travail. Ce qui nous va nous intéresser aussi, enfin ce qui vous va vous intéresser, donc je viens sur la, la petite description que je vous avais euh, proposée tout à l'heure. Donc, c'est que sur l'édition jeunesse, en fait, on a énormément d'intervenants. Minimum, un intervenant, l'auteur, <coughs> qui peut être... <coughs> pardon. Un, un intervenant, l'auteur qui peut être bicéphale, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'illustrateur et le scénariste, euh, mais ça peut être tout à fait la même personne. Et puis derrière, il va falloir penser, une fois que ce, ce contenu ait, a été réalisé, eh bien, il va falloir penser à le diffuser, à le réaliser pour de vrai, à fabriquer un livre. Et donc c'est là que toute la chaîne du livre rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir le maquettiste, on va avoir le chef de fab, on va avoir l'imprimeur, on va avoir les gens des, des relations presse, on va avoir les diffuseurs, on va avoir tout. Ce petit monde là, et tout ce petit monde là va avoir besoin de votre contenu, de ce que vous avez créé, et va avoir besoin de le réutiliser, de le tordre dans tous les sens pour pouvoir s'en servir. Alors, je me suis un petit peu amusé parce que figurez-vous que euh, cette nuit j'ai trouvé ça. Ça, euh, j'étais assez fier de, de, de retrouver ce truc et de voir que les icônes étaient toujours à jour. C'est une icône d'Illustrator 10. Et si je vais dans les infos de ce fichier, truc, ça date de décembre 2004. Ça date beaucoup. Euh, fichier Illustrator de décembre 2004, euh, j'en ai fait une version 2020 parce que il euh, y a deux trois trucs que je voulais corriger dedans et cette version 2020, eh bien, je l'ai ouvert directement dans Illustrator et je vous présente hop, euh, je vous présente avec le masque des mots et avec les mots qui vont avec. Je vous présente ma collection de nuages alors vous allez évidemment euh, tilter sur un point important, c'est que euh, j'ai pas chargé les typos de l'époque. Elles se étaient elles devaient dater de l'agence de l'époque, euh, je ne les ai pas conservées. Si je les ai conservés à part dans un fichier, mais ça va pas aller dans ce que je suis en train de rechercher. Donc, ce que je vais pouvoir faire dans un premier temps, et oui, on est sur Illustrator, et non, on n'est pas encore sur InDesign, même si euh, vous allez me poser la question plus tard, ce que je vais pouvoir faire dans un premier temps, c'est euh, sélectionner donc mes textes, voir que le texte a été publié en ITC euh, Bradley Hand, que j'aimais bien à l'époque, mais euh, peut-être que j'ai envie de tester une autre fonte. Ce que je vous montre ici, c'est valide autant dans Illustrator que dans InDesign. Donc, euh, petit sondage aussi, est-ce que vous, aviez, vous saviez qu'à l'intérieur de votre Creative Cloud, vous aviez accès à des polices de caractère Donc Un petit oui, un petit non dans le chat, polices de caractère euh, qui s'appelle font.adobe.com. Quand je vais sur les polices de caractères, je vais pouvoir lui demander ici d'aller regarder euh, toutes les polices de caractères qui sont qui ont été rajoutées sur mon Creative Cloud, ou qui sont disponibles d'ailleurs sur mon ordinateur. Je ne suis pas obligé d'être sur le Creative Cloud dans cette partie-là. Je vais zoomer encore un petit peu, voilà, juste là. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais pouvoir lui demander de filtrer, parce que je sais que j'avais envie d'avoir une typo script. Et donc, typo script ou manuscrite, je vais la retrouver soit ici, soit là dans les scripts euh, calligraphie, je peux regarder un petit peu ce à quoi ça ressemble. Je vais pouvoir choisir le type d'écriture, je vais pouvoir choisir la fonte avec laquelle je vais bosser. J'aime bien la guide Up, mais je m'en servirai plutôt pour l'intérieur du texte. Ok, oui, 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 tout le monde sait pour les textes, pour les typos, bravo. Pour ceux qui ne savaient pas, euh, bah, j'espère que vous en apprendrez un petit peu plus après. C'est le même fonctionnement dans toutes vos applis et ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir choisir euh, directement, en fait, le, la fonte qu'on va utiliser et on va pouvoir la mettre en, la mettre en œuvre dans votre, dans votre, dans votre contexte. Oula, cette phrase était un petit peu longue. Et donc, la mettre en œuvre dans le contexte, ça veut dire que je peux regarder à quoi ça ressemble. Et figurez-vous que la Bradley Hand euh, de ITC, elle est désormais disponible dans ma machine. Elle n'est pas nommée ITC. Mais je regrette un petit peu ce que j'avais fait à l'époque. Donc, je vais continuer de chercher un petit peu plus ici. Et si je trouve pas ce que je veux, je vais aller trouver davantage. Trouver davantage, d'abord, je vais lui demander de ne peut-être pas filtrer. Et de voir... Toutes les polices Creative Cloud. Alors là, je croise les doigts parce qu'il me met initialisation. Voilà, si, c'est bon. C'était le temps que le Creative Cloud se charge et aille me regarder un peu les polices qui sont disponibles. Et donc là, je vais voir toutes les polices qui sont à ma portée. On parlait de 17 000 polices. Je crois que ça fait 2000 familles de, de, de typos. Ça fait un paquet de, de typos à utiliser. Maintenant, je sais que je cherchais plutôt une script ou une manuscrite. Je sais que je cherche quelque chose d'un petit peu gras pour mon titre. Eh bien, on va commencer à regarder là-dedans. On va voir s'il y a quelque chose qui correspond un petit peu à ce que j'aurais souhaité à l'époque, et je vais pouvoir le mettre en place. Petite note intéressante, quand j'ai ouvert ce fichier la première fois, il m'a dit, au fait, c'est un fichier de 2004, t'es bien gentil, mais on a fait évoluer le moteur de texte euh, entre... Euh, entre 2004 et maintenant. Donc faites bien attention, validez, là il n'y avait pas de souci, mais validez bien que vous pouvez, que vous pouvez mettre à, à, à jour votre texte et corriger tout ce qui a besoin d'être réparé. Donc voilà, je peux balader, je peux me balader sur toutes les fontes, j'aime bien tout ce qui se trouve ici. Je trouve que les nuages vont être, vont être en pleine forme. Il y a des tas de trucs, je les découvre avec vous. Et ce que je vais faire une fois que ce sera lancé, allez on va partir sur la Funky Dory, Eh bien je vais tout simplement lui dire, d'abord je vais me la mettre dans les favoris, parce que je la trouve rigolote, et, euh, et je vais lui demander ici de l'activer. Il clique, est-ce que je veux activer cette police Oui. Comme vous serez chez vous et que vous n'aurez pas de démo à faire comme moi, vous ne vous cliquerez ne plus afficher par la suite. Mais moi je vais le faire, je lui demande de l'afficher, il est en train de la mettre en place ici, il me dit attention c'est en cours d'activation, et par la suite eh bien je n'aurai plus qu'à aller euh, l'utiliser parce que je devrais recevoir prochainement une petite notif du Creative Cloud pour me dire eh, ça y est, ça y est, c'est bon, c'est mis en place. Donc une fois que ma typo est là, je peux retourner sur mes polices et je retrouve Funky Dolly. Et je la retrouve et je peux la placer pareil pour la typo du texte typo du corps de texte qui est ici Hop. je vais sélectionner mon texte c'était de la gino school script que je trouve très très belle euh, je vais lui demander d'aller chercher on va pas regarder la grèce pour l'instant et on va aller chercher la guide up parce qu'elle me plaît bien même si c'est pas la plus lisible au moins ça me permet de tester de regarder un petit peu ce qu'on avait mis en place Hop. voilà. Donc j'aime bien tout ça, je suis assez content de ce qu'on qu retrouve maintenant. J'avais un petit peu serré les textes, euh, le moteur ayant changé, je vais revoir un petit peu l'approche ici, voilà, ma collection de nuages, ça commence à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Je retourne ici, maintenant je vois que j'ai du texte là-dedans, dans le menu texte de mon Illustrator, et promis après on passe dans InDesign, je vois que tout ce qui est en Gino devrait passer à mon goût hein, pour que ce soit intéressant, en Guide Up terminé j'ai pas fait remplacer donc rechercher une police tout ce qui est en gino va passer en guide up et je lui ai demandé de tout remplacer et voilà mon livre de, de nuages qui est prêt ça marche ouais euh, rechercher par fonderie, etc. Ouais, ça c'est un point qui va être utile aussi. Si jamais vous trouvez que vous avez besoin d'aide encore sur la partie Creative Cloud, trouver davantage, etc., on peut lui demander aussi, euh, là on est dans les filtrages, par Creative Cloud et autres. N'oubliez jamais d'ailleurs de tout effacer au niveau des scripts pour être sûr de bien tout voir. Vous pouvez voir les polices que vous avez déjà synchronisées sur votre machine, ça ça va être pratique et vous pouvez lui lui demander en fait d'aller tout simplement sur le site fonts.com, Com, sur lequel vous aurez des exemples vous aurez des essais vous aurez, euh, des, euh, vous aurez des, des repères qu'on appelle les jeux de police et dans les jeux de police eh bien, vous retrouverez des thèmes euh, là euh, des polices pour le changement des polices pour les posters des polices euh, sur euh, sur demi pipe sur half pipe donc pour le skateboard par exemple à vous de choisir à vous de vous inspirer de vous dire ah oui tiens j'avais pas vu celle là euh, je l'avais regardé peut-être rapidement tant que j'étais en train de, de bosser puis je l'avais pas vu en contexte donc voilà un petit peu là où je voulais démarrer <laughs> deuxième point Alors, je suis en train de regarder l'heure euh, mais c'est pas l'heure que je dois regarder, c'est la durée de diffusion, parce que ça fait quand même beaucoup plus... Euh... On s'est décalé de 15 minutes je crois. Euh... Donc deuxième point là-dedans, euh, c'est que je vais choisir mon format. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai ouvert ce fichier, c'était un fichier qui datait d'Illustrator euh, 10, donc qui datait de bien avant le... bien avant l'apparition des plans de travail dans Illustrator. Donc on avait une seule grande page qu'on allait découper, morceau par morceau. Heureusement, j'avais pensé à mes fonds perdus. Euh, parce que ben, quand on fait sa propre édition, on a intérêt à penser à tout ça. Même si on peut se faire aider euh, par, euh, par d'autres utilisateurs. Là, je sais que j'ai mon format de livre. Et sur mon calque 5, je dois avoir mes hirondelles. Parce que j'avais prévu un petit peu tout ça. Je ne comptais pas me laisser déborder autant. Ce que je vais faire dessus, c'est que je vais regarder sur format livre. Voilà. Je vois que j'ai accès à toutes les pages. Et la recours que je fais à mon mois du passé, c'est que... Bah, j'aurais bien aimé que le mois du passé prenne en compte tout ça prenne en compte donc le plan de travail hop, et euh, comprenne que ce plan de travail en fait il allait être non pas à n'importe quel format mais il allait être un A4 horizontal je vais bien faire gaffe à un truc avant de changer mon plan de travail c'est que je vais décocher le déplacement je vais bien le mettre en horizontal et je vais lui demander de passer en A4 voilà ça c'est un plan de travail, c'est une illustration et tout va bien. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux attraper donc euh, mes nouveaux plans de travail. Donc dans le panneau plan de travail, je peux ajuster aux limites de l'illustration si j'en ai besoin. Je peux aussi lui demander Tadam options de plan de travail qui sont ici. Je vais retrouver donc tous les contenus. Je vais retrouver toutes les mises en page et je vais pouvoir lui demander dans ces options-là, où êtes-vous, les petites options que je cherche Non, plan de travail, déplacer l'illustration. Nouveau plan de travail, voilà, je vais pouvoir créer des nouveaux plans de travail. Je vais pouvoir créer mes nouveaux plans de travail et vous voyez que par défaut, il va me les espacer d'un certain nombre de millimètres et qu'il va me les recaser n'importe comment. Je vais pouvoir lui demander du coup de sélectionner les différents plans de travail et je vais pouvoir lui demander maintenant de regarder les fameuses options de déplacement qui sont. Je ne suis pas très réveillé ce matin, ça se voit. Dans la réorganisation, tout réorganisé, et je vais pouvoir lui dire ben voilà, j'aimerais bien en fait que les plans de travail, parce que je sais comment je les ai montés, ils soient en vertical, non pas sur plusieurs colonnes, et qu'ils soient espacés de 0. Et surtout, surtout, dans le cas qui me concerne ici, euh, en fait, vous pouvez d'ailleurs demander des espacements négatifs au besoin, euh, ne déplacez pas l'illustration avec le plan de travail, sinon, comme moi, vous le regretteriez. Voilà. Donc j'ai créé mes plans de travail, j'ai réorganisé. Euh, j'ai mis tout, le, tout ce petit monde là à zéro, sauf que j'ai réorganisé check, à partir du bord. Ah, n'importe quoi. Ok. Bah, C'est une information que je n'avais pas, regardez, il a décidé de tout me remettre à partir du bord de la page. Donc on va créer tout de suite les 10 pages. Voilà, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc je prends mes plans de travail, tout réorganiser, les mettre en verticale à partir de 0, hop et il va tout me reprendre et tout me remettre en page. Et du coup, j'ai cette fois-ci un document Illustrator avec les bonnes pages et les bonnes illus, avec les hirondelles tout au même endroit, et on va pouvoir exporter ça, on va pouvoir commencer à travailler dans InDesign. Voilà pour la petite euh, remise en place, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je garde la partie du calque 5 avec mes hirondelles, elle me servira dans InDesign. Je vais sauvegarder mon document 2020. <coughs> euh, je vois qu'il y a des discussions. Les polices Creative Cloud sont-elles libres de droit, Mathéo Elles sont libres de droit pour tout ce qui est impression. Tout ce qui est réalisation, impression, fabrication des visuels, etc., dans lesquels vous n'exportez pas les contenus, sont libres de droit. Par contre, si vous souhaitez utiliser les polices de caractère, par exemple, pour euh, mettre en place un, une application en ligne, euh, une application sur ordi, qui va incorporer ces polices de caractère pour travailler avec, il faudra prendre une licence de, euh, spécifique. <laughs> Et bonjour Jean-Loup de 1 à 1000 plans de travail disponibles dans Illustrator. Ouais, non seulement il y a ça, et puis un petit plus euh, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans Illustrator, c'est quand on est dans les plans de travail, je peux attraper 1, 2, 3 plans, éventuellement déplacer l'illustration avec, et je peux bouger juste ces plans-là, ok Donc euh, pensez-y, c'est un petit c'est nouveau, et moi je trouve ça hyper pratique. Donc là j'annule parce que j'avais pas envie de faire ça. Je sauvegarde mon document. Je retourne sur le bureau. Par défaut, le document que j'ai créé, en fait, il va bien comporter mes différentes pages. Et si je dis pas de bêtises, ouais, je m'en sors plutôt pas mal. Les hirondelles n'ont pas bougé entre le premier et le dernier, ou à peu près. Donc je vais pouvoir travailler enfin. Là, je suis mon illustrateur et je vais pouvoir aller chez mon éditeur. Mon éditeur, je vais lui proposer d'aller bosser là-dessus sur InDesign. Et je vais faire un petit boulot en amont. J'aurais pu y penser il y a deux minutes, mais c'est pas grave, c'est que dans le format du livre, je dois avoir le format d'une page. Voilà, 280 sur 140. Donc j'ai fait du 140-140. Comme quoi, on se complique pas la vie. Il faut savoir que ce bouquin a été tiré à deux exemplaires euh, et imprimé sur une. Euh, sur un. une un copieur d'agence. Donc je vais sur InDesign, et sur InDesign, enfin... Pour ceux qui, qui attendaient ce moment depuis longtemps, je vais aller dans Taille personnalisée et je vais choisir le format de mon document. Je ne vais pas lui dire que je veux 280 sur 140, parce que ça c'est la taille de ma double page. Ce que je veux c'est la taille de ma page simple, donc je vais lui demander 140 sur 140. Et je vais lui dire qu'on va travailler portrait ou paysage, c'est pas grave, c'est un carré. Par contre, ce dont je suis sûr c'est que je vais travailler en page en vis-à-vis, -vis, parce que j'ai envie de voir mes pages face à face, de voir comment elles vont vivre ensemble je pourrais, si j'étais en train de travailler sur un livre euh, sur lequel il y a beaucoup de texte, travailler en bloc de texte principal. Alors quand on parle d'édition jeunesse, euh, y a, pour moi il y a deux types de livres, il y a deux catégories. Il euh, y a les livres qui vont être beaucoup d'illustrations, un tout petit peu de texte, et puis il y a les livres type livres de contes, sur lesquels on aura beaucoup de texte et quelques illustrations de temps à autre. Euh, si vous êtes intéressé par ce type de livre, on avait fait une session avec Jean Loufuse sur le, la réalisation de livres euh, dont vous êtes le héros, et cette, euh, dans cette session, eh bien on a montré, on a parlé un petit peu justement euh, du bloc de texte principal et de la manière dont on allait pouvoir tourner autour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire forcément ça. En tout cas, vous voyez à peu près l'idée. 140 sur 140, euh, une page pour l'instant, je sais que je vais avoir en réalité 20 pages. Donc je vais pouvoir lui dire, hop, tu as 20 pages directement. J'avais 10 plans de travail avec des doubles pages dessus. Et les plus perspicaces d'entre vous auront noté aussi que euh, 20 pages, ça marche bien, ça me permet d'avoir 5 double, double pages. Alors j'ai plus d'exemplaires sous la main de ce livre, il faudrait que je sorte et que je vous abandonne encore. Mais euh, on peut choisir, quand on réalise le livre, soit d'avoir une page de garde, soit d'avoir les pages directement collées dedans. Et j'avais fait ce choix-là pour m'épargner un tout petit peu de rouleau à en coller. Je réalise tout ça, je fais attention à un truc. Je vais faire un livre qui va être imprimé. Au-delà de mes 140, j'ai volontairement prévu quelques millimètres. Entre 3 et 5, mm. 3 mm, ça me semble minimum avec maintenant des bonnes machines, euh, 5 mm, parce que l'épaisseur de mon livre va être importante pour la, va être importante pour le décalage et le débord de nos différentes pages. Ça, je vous le recommande, faites attention. Les marges, euh, vous pouvez laisser celles par défaut. Moi, j'ai tendance à me mettre des marges en et de les mettre par paquet de 10, 10 mm, plutôt que les marges par défaut qui sont comptées en pouces et du coup qui ont des valeurs absconses. Je crée mon livre, je peux cocher la case aperçu pour voir ce à quoi ça va ressembler. OK, j'ai mon livre qui est mis en place, ça me permet en général de ne pas oublier que j'ai coché les pages en vis-à-vis -vis sur le livre et je vais pouvoir créer ce livre. Si vous êtes éditeur et que vous comptez faire plusieurs livres de cette manière-là, vous pouvez lui demander ici euh, de réaliser format livre, bon alors je ne vais pas écrire format, livre 140 140 20 pages, euh, 10 mm de marge, et 5 mm de fond perdu. Ok A vous de trouver le bon, la meilleure dénomination pour tout ça. En sachant que plus le nom est long, plus il sera compliqué à lire, par contre plus il sera précis, et plus vous saurez ce que vous avez renseigné ici. Si vous vous dites aussi que vous avez besoin dans votre livre de caler des choses au centre, vous pouvez lui demander de mettre deux colonnes et vous pouvez lui demander d'avoir zéro de gouttière entre les deux. Ça vous permet d'avoir un axe. Mais pour ceux qui ne le savent pas, dans InDesign on a directement cet axe-là, donc normalement vous devriez vous en sortir. Je m'éloigne un petit peu, je regarde mon menu page et là je vois que j'ai déjà toutes les planches de mon... de mon livre qui sont prêtes à être montées. Et je vais pouvoir demander du coup pour mon livre à importer mes différentes pages. L'importation des différentes pages, en fait, je vais pouvoir la faire directement à partir du fichier, euh, du fichier Illustrator. Je vais pouvoir lui demander fichier, importer. Et je vais aller sur le bureau et sur le bureau, je vais retrouver mon livre Nuage 2020. Je vais pouvoir lui demander d'afficher les options d'importation éventuellement, parce que ça va me permettre de retrouver tout ça. Et, petit plus, petit plus technique qui devrait vous simplifier la vie. N'hésitez pas à lui demander à créer des légendes statiques, parce que les légendes statiques, elles vont vous permettre dans InDesign, même avec un fichier Illustrator ou un fichier PDF, de placer plusieurs pages à la volée. Je lui dis ouvrir. Je vois que j'ai toutes mes pages. Je vais lui dire OK, j'aimerais que tu me places toutes les pages. J'aimerais que tu recadres selon le recadrage, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pourrais lui demander tout un tas d'autres euh, formats de recadrage, sauf que, en réalité, je ne les ai pas créés dans mon Illustrator, donc ils ne seront pas valides. Donc je vais lui laisser les caler selon le recadrage, je lui dis OK. Et là, je vois que je peux placer mes différentes pages, et je vois que je vais pouvoir me déplacer. Sur mon ouvrage et placer ici, hop, la page suivante, la page suivante, etc. etc. Si j'avais été hyper malin, ce que j'aurais fait, je vais essayer d'être hyper malin avec vous, vous allez voir, c'est sympa. J'aurais pu aller sur mon gabarit, j'aurais pu aller poser une page qui fait, vous vous rappelez le format de ma page, donc 297 sur 210. Ok. Je prends ma page et je vais la caler au milieu de mon ouvrage. Et je vais lui demander de centrer tout ça. Donc j'aimerais bien qu'il soit 140 sur 70. Voilà. Cette page-là, elle va être présente sur toutes les pages de mon gabarit. Et bien maintenant, quand je vais aller importer mon livre, donc fichier, importer ou placer en anglais, si jamais vous avez une design en anglais, que vous reprenez ce contenu-là et vous lui demandez bien d'afficher les options d'importation, vous avez toutes les pages. OK. Et quand je vais caler ma page, normalement, il devrait me la mettre exactement au bon format. Parce que cette fois-ci, je suis dans les marges de quelque chose qui l'attend. Ok Oups, je viens de cliquer en dehors de ma page c'était pas très malin. 5 mm pour mon imprimeur si c'est mon taf. Ouais, mais il faut que. 5 mm mini pour un imprimeur si c'est mon taf. Ouais, c'est vraiment à vous de voir, parce que le... les 5 mm, c'est un peu une valeur, j'irai par défaut. On se préoccupe pas forcément de la, de la place qu'on va utiliser. On peut décocher les options d'importation, mais il faudra appuyer sur majuscule pour les avoir en option. Merci Alex, ouais, tout à fait. J'ai placé toutes les pages de mon livre. Je vois qu'il y a des rendus qui, qui varient en fonction de l'affichage, la, de parce que c'est la première fois que ma carte graphique les affiche, je pense. Et fenêtre, impression... Tiens, regardez, j'ai Clacos Pro. Euh, fenêtre, format de l'épreuve, aperçu de la surimpression, pour voir justement à quoi ça va ressembler, et comment les couleurs vont se mélanger. Ça, ça va être un truc, un point qui pourrait être utile pour vous. Donc je mets tout ça en grand. J'ai mon premier livre qui est prêt. Ok je vais faire un deuxième exercice. Là, j'ai fait l'exercice de réaliser mon premier livre, je le mets sur le bureau, je peux lui donner un nom particulier, je me rends compte que j'ai nommé mon livre et que j'ai pas du tout nommé le preset d'impression de mon livre. Ça m'apprendra à être peu attentif. Euh, je vais pouvoir me dire, bah oui tiens, justement, on avait parlé de cette collection de nuages et on avait parlé de refaire un, un poster peut-être à partir de la couverture. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est que je vais pouvoir prendre cette première image, et je vais pouvoir aller dans la dernière page et la coller en place. Comme ça j'aurai bien ma première et ma quatrième de couvre qui vont fonctionner ensemble. Et puis ce qui va être cool dans InDesign, en tout cas ce que j'aime bien, c'est que par défaut, InDesign a l'habitude de travailler tout seul. Il est là pour vous aider, mais pas forcément. Et vous pouvez l'aider. Vous pouvez lui demander spécifiquement de faire le boulot à votre place. Donc en général, dans InDesign, quand je décale une page, il me décale tout le reste. Euh, de temps en temps, je lui demande spécifiquement de prendre quelques pages. Clic droit. Et je lui demande d'autoriser... Alors, par défaut, c'est coché. Vous le connaissez sûrement. D'autoriser la réorganisation des pages du document. Ça veut dire autoriser InDesign à réorganiser les pages du document. Je ne le fais pas souvent mais là je le redis aujourd'hui. Euh, si je veux que InDesign ne décale pas toutes les pages de mon document, je décoche cette option. D'accord Clic droit, c'est décoché. Donc maintenant je vais venir sur la dernière page, la page 20, je vais venir la glisser tout en haut, et vous allez voir que je vais pouvoir la pousser, et ça va me décaler tout le reste. On va venir sur cette double page. Je me rends compte que visiblement j'ai décidé d'attraper... Hop voilà, et j'ai décidé de perdre l'arête. Je me rends compte aussi que j'ai fait n'importe quoi parce que du coup je l'ai calé à l'envers. Donc on va zoomer un petit coup dessus. Check, je vais lui demander d'attraper cette page-ci et de la glisser de l'autre côté de l'arête. Voilà. Donc on sera bien sur l'arête du livre, on sera bien centré, j'aurai bien ma première de couverture et ma quatrième. Ça va vous permettre quand vous souhaiterez faire des couvertures avec des points continus. Euh, hop, on va se mettre comme ça, et eh bien d'avoir la continuité et de ne pas essayer de deviner à quel endroit vos pages devraient être découpées. Ça marche? On peut décocher les options, etc. Ouais, je vois que ça avance dans le chat. Ça vous va toujours pour l'instant? Cool. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux commencer à me poser des questions particulières. Tout d'abord, comment je vais sortir ce livre? <laughs> euh, là. J'avais choisi de faire tous les textes à l'intérieur d'Illustrator. Je peux lui demander dans Illustrator d'aller sélectionner uniquement mon calque de texte. Et éventuellement, alors je vais le tester, je ne sais même pas si j'en suis capable, enregistrer sous. Est-ce que je peux exporter juste les textes Je peux exporter juste les textes, je ne savais même pas. Et je l'ai tenté avec vous. Hop, livre de Collection de nuages en texte. Je veux un Mac Intel, plateforme par défaut, exporter. On va regarder ce que ça donne, parce que je ne l'ai jamais fait et je le fais avec vous en direct. Voilà. Donc je vois que ta -ta -ta, il y a des choses euh, qui ont été exportées. Il n'y a pas forcément... Alors j'avais fait une petite astuce parce que je n'aimais pas dans la typo précédente le QU. Donc euh, c'est devenu O et la barre. Je suis pas très fier de ça. Euh, mais en tout cas, maintenant, j'ai le texte de ma collection de nuages. Donc une fois que j'ai ce texte-là, je vais l'ouvrir avec mon outil de texte. Et il faudra le remettre dans l'ordre. Parce que si je ne le remets pas dans l'ordre, ça va faire un petit peu n'importe quoi. Et dans InDesign, dans Illustrator, je vais pouvoir masquer mon calque de mots. Ou je vais pouvoir dans ce calque de mots sélectionner par exemple tous les objets qui sont, euh, qui sont des objets de texte et je vais pouvoir mettre tous ces objets de texte sur un nouveau calque. Texte. Et du coup, alors je fais attention de temps en temps notamment à la couve parce que c'est peut-être là que ça va bouger. Quand je masque le calque de texte, j'ai plus les textes. Par contre, j'ai toujours les emplacements euh, pour pouvoir mettre mon, pour pouvoir mettre mes textes au-dessus. Un truc que je ne pouvais pas faire à l'époque à l'intérieur d'illustrator, je crois, c'est que je ne pouvais pas prendre, par exemple, tous les objets qui sont dans mon calque de mots, qui sont des tracés, juste pour faire joli. Je ne pouvais pas tous les prendre et sélectionner dans ce calque-là un aspect et lui dire qu'on allait mettre des effets euh, Photoshop. Et dans les effets, alors, je que je l'ai pas là dedans, je vais vérifier parce que j'ai des filtres svg mais c'est pas là que je vais chercher j'ai des effets de lueur d'ombre portée de traits de coupe et de tracé mais par contre j'ai accès aux effets photoshop et du coup je peux lui demander dans les effets de photoshop d'aller chercher dans les effets de d'atténuation un flou gaussien sur tous les éléments qui sont sur le calque démo et maintenant n'importe quel bloc que je réalise sur ce calque de mots va avoir ce petit effet de flou que je trouve assez mignon. Si je trouve que j'en ai pas besoin, hop, je masque tout. Si je trouve que j'en ai besoin et que euh, par contre je veux revenir dessus, eh bien je vais pouvoir baisser la valeur du flou avec des valeurs tellement précises, 3,3609 pixels, incroyable. Peut-être que 5 pixels ce sera suffisant. OK. Et ça Monsieur c'était bien compliqué à faire à l'époque. Donc j'ai placé mes blocs, j'ai retravaillé dessus, je sauvegarde mon livre tel quel, euh, et quand je vais revenir donc sur euh, mon InDesign, et eh bien il va me signaler, tiens au fait, tous les liens de ce livre ont été mis à jour. Je remets à jour, et je vais pouvoir lui dire ok, tout a été remis à jour et maintenant j'ai mes nouvelles bulles. Euh, il me prévient, attention, il y a certains éléments qui ont été modifiés en termes de calque, mais ce n'est pas très grave. Je vais lui dire ok. Je ne vais pas le désafficher, parce que je suis gentil pour les gens que je reçois. Et puis on va pouvoir importer nos textes. Ça vous va ça Ok. Si ça vous va, on va continuer. On va essayer de se reprendre le fichier de base, juste pour mémoire. Faut savoir que ce bouquin a été écrit par une enfant de, 10, de moins de 10 ans. Plus. Et du coup, bah, j'ai tout son texte qui est là, et je vais essayer de le remettre dans l'ordre, ici. Donc on va reprendre notre texte, on va agrandir un petit peu tout ça, histoire de pouvoir le lire, et on va remettre tout à l'endroit. Ma collection de nuages, ouais, tout est exactement à l'envers. Bravo InDesign, bravo Illustrator. Check. Donc ma collection de nuages. Ça c'est pas très très grave, c'est sur la couverture. Le titre, les auteurs. Dix maman. Voilà. Je vois que j'avais pensé à l'époque à faire des sauts de ligne, ça c'est important. Et je vais pouvoir reprendre tout mon texte. Check. Donc il faut que je retrouve le début. Je vais attraper un beau nuage. Le plus gros, le plus dodu, le plus confortable. Je le tiens bien serré pendant la descente. Il est, où il est là. Il s'effiloche un peu ici. Là. Mais ce n'est pas grave, à l'atterrissage, il en reste toujours assez. Je continue de parcourir mon bouquin déposer refermer surtout ne pas le secouer alors je sais pas si vous aviez déjà été ramassé des nuages mais je sais pas si ce mode d'emploi sera utile est ce que je peux aussi masquer un ou plusieurs calques dans l'importation de InDesign ouais carrément j'allais y venir euh, si j'allais y venir euh, je remplis mon carnet, alors je note son nom, on est où Voilà, je note son nom et le coin de ciel où je l'ai attrapé. Je remplis mon carnet pour le retrouver. Et hop, dans l'étagère. Ça, je vais l'utiliser à la fin. Bien entendu, ma petite astuce du QU va disparaître parce que ça va aussi. Quel joli petit nuage. L'aquarium est presque plein. Alors, je vais reprendre tout ça. Ceux-là ont bien grandi. Je les arrose souvent. Et maintenant, je sors promener mon nuage. Voilà. Donc, désolé pour le côté, euh, je fais la mise en page en même temps que vous. <laughs> Derrière, du coup, je vais pouvoir importer mon texte. Importer, ça veut dire que je vais aller choisir le texte. Je peux voir les options d'importation, je peux éventuellement créer des légendes, je peux choisir le jeu de caractère dans lequel on va travailler, c'est de l'Unicode, c'est du français. Euh, les retours de chariot, je vais les conserver euh, cette fois-ci, mais je pourrais lui demander de les supprimer si, si je le souhaitais. Et donc, je vais avoir ma collection de nuages, et évidemment, tout est présent ici. Et, euh, et ce n'était pas de l'Unicode, visiblement. Hop. Est-ce que j'ai les propriétés de texte et de format là-dedans On va recommencer. Importer. Afficher les options d'importation. c'est pas de l'Unicode et ça doit être du Mac. Macintosh croate. Macintosh romain. Macintel français. Ouais, on est mieux en termes d'accent. Ce que je vais pouvoir faire dans InDesign, c'est que je vais pouvoir lui dire oh, tiens, j'ai des retours à la ligne qui n'étaient pas placés au départ. Et maintenant, je vais voir que mon texte, il est toujours présent. Par contre CTRL Y, je vais voir tous mes textes en excès. Et du coup, je vais pouvoir commencer à anticiper les décalages. Par exemple, ici, je sais que. Donc, ici, c'est fonction retour. CTRL retour, fonction retour. Et je vais insérer un saut de page. Okay. Hop, et maintenant, je sors, etc., etc. Ce que je vais pouvoir faire là-dedans, c'est que je vais pouvoir lui demander d'aller placer maintenant les bouts de texte nécessaires. Prendre un bloc, travailler dessus, et compléter les différents éléments de page. Vous remarquerez aussi un autre truc, c'est que quand je fais ça, il y a toujours un moment où par erreur je vais saisir la page du bas. Donc on va essayer de gagner un petit peu de temps pour la suite, c'est qu'on va travailler sur les calques. Et dans un livre d'édition jeunesse, je vais avoir souvent un calque d'image et un calque de texte. Donc moi je vais avoir tendance à mettre mon texte sur le calque de texte, pareil ici, Check. pareil sur la première page, normalement vous l'auriez anticipé. Et une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir descendre et tracer la suite. Je vais verrouiller le calque d'image pour ne plus le manipuler par erreur. Je vais placer mes blocs. Et ce que je vais faire par la suite pour ne pas oublier de blocs, enfin pour, ne pas, pour pouvoir terminer tranquillement ce, ce contenu. Et eh bien, c'est que maintenant je vais pouvoir me réoccuper du texte qu'on a commencé à mettre en place. Donc, je peux maintenant tout sélectionner et je vais pouvoir réutiliser la police de caractère que j'ai utilisée dans Illustrator. Et si j'avais bien fait le travail à fond, eh bien, je me serais créé une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque que je vais aller chercher, parce que je dois en avoir plein des bibliothèques, je vais en prendre une ASCO Pro sur Illustrator, on avait pris celle sur les maths, je peux tout à fait prendre mon bout de texte, le rajouter, soit en couleur, j'aimerais bien garder la couleur du texte, soit j'aimerais bien garder le texte en tant que tel, ou surtout le style de caractère ou de paragraphe qui est appliqué. Je vais prendre les deux, on va voir. Dans le style de paragraphe, je vais retrouver la mise en forme du texte et je vais retrouver la même chose en style de caractère. Maintenant, je retourne dans InDesign, je prends tout mon texte, je retourne dans mon panneau de bibliothèque et dans mon panneau de bibliothèque, je vais dans la même bibliothèque et je vais appliquer le style de paragraphe. Et maintenant, tout mon texte va être stylé de la même manière que de l'autre côté si je trouve que en termes de couleur tout devrait être dans la couleur de la typo j'applique le bleu qu'on avait déterminé au départ c'est pour ça aussi que j'ai tendance à travailler beaucoup avec les bibliothèques creative cloud parce que ça me permet de faire passer rapidement d'une application à l'autre ou d'un intervenant à l'autre les contenus dont on va avoir besoin une fois que j'ai fait ça, je me dis tiens ma collection de nuages, ça faisait partie de la couverture. Est-ce que je peux le, le récupérer Je peux aussi me dire bah, tiens pendant le travail j'ai besoin de revoir euh, certaines mises en page. Euh, eh bien je peux tout à fait reprendre mes calques d'images et là répondre à une question qui avait été posée un petit peu plus tôt euh, par CI. C'est clic droit, option de calque d'objet et je peux lui dire mais bah, en fait j'aimerais bien voir les textes. J'aime bien voir les textes parce que ça me permet de me rappeler comment ils étaient calés, est-ce qu'il y avait des changements, etc., etc. Donc ça, je peux le faire à la volée dans InDesign. Et si je me dis que dans le calque de mots, j'ai plus besoin de ces ombres, je peux tout à fait les supprimer, euh, les masquer pour pouvoir retravailler sur le, sur le livre. Ce que je ne ferai sans doute pas, c'est d'enlever, de rajouter le format du livre. Ici, j'en ai pas forcément besoin. Mais j'ai directement accès à toutes les options de mon, de mon objet. D'accord? Euh, Jack2 me dit le texte en ordre inversé vient sans doute de l'ordre des calques dans Illustrator ouais complètement question un export temporaire PDF et un copier-coller sans la mise en forme vers InDesign fonctionnerait-il euh... oui mais pourquoi euh, Marc comment est-ce qu'on accède au texte il est fait sur Illustrator à la base n'est-ce pas me dit Mélocoton oui là pour le coup pour ce rendu-là j'avais décidé de faire le texte à l'intérieur d'illustrator euh, en tout cas en 2004 c'est ce que j'avais fait aujourd'hui euh, ce que je vous montre c'est justement la version plutôt sur euh, la version plutôt sur indesign parce que je me dis qu'on a un outil qui est dédié à la mise en page qui est beaucoup plus efficace pour tout ça pour le partage, etc., etc. Donc, pour moi, ça va être plus important de faire cette, euh, cette partie du boulot à l'intérieur d'InDesign qu'à l'intérieur d'Illustrator. Je vais vous montrer un petit truc euh, que je passe de temps en temps parce qu on me le demande parfois, pas tout le temps, heureusement. Euh, on me demande si, dans Illustrator, on, dans InDesign, on est capable d'écrire du texte sur des formes, des cercles ou autres. Euh, la réponse est oui, enfin vous en doutez, sinon je ne poserai sans doute pas la question. Je vais me mettre ici au centre de ma page, je vais tracer mon cercle. Je ne sais pas si je suis au centre de la page, oui, 70-110. Par contre, le cercle que j'avais fait, il ne l'était pas du tout. Et on va remonter tout ça un petit peu. Voilà, 67-5, c'est bien. Ok. Et du coup, je vais pouvoir lui demander en fait, de prendre ce tracé. Et je vais pouvoir m'en servir en fait, pour coller le texte. Ma collection de nuages, je vais pouvoir le prendre. Et je vais pouvoir, si je prends le tracé, je pourrais soit utiliser ici l'outil texte curviligne. Donc je vais cliquer sur le tracé, il va m'écrire mon texte. Et soit je, je pourrais découper ce bloc de texte directement. Donc une fois que mon texte est placé sur, la... sur ce bloc-là, je peux aller rechercher dans mes typos récentes. Donc dans InDesign, je peux utiliser mon panneau de propriété si j'en ai, si je le souhaite. Et je vais retrouver dans les caractères, eh bien, toutes les typos qui font partie de mon Creative Cloud. Je vais lui demander de m'afficher que les typos Creative Cloud. Et je vais lui demander de me filtrer. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on avait fait comme petite manip. Et je vais retrouver du coup... Euh... C'était laquelle c'était active, non. C'était une script ou c'était une manuscrite Funky Dolly, voilà, c'est celle-ci que j'avais choisie. Ok. Et maintenant, oups, Funky Dolly. Et maintenant que la typo est choisie, je vais pouvoir augmenter le corps du texte. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à jouer avec le placement de ce texte. Par défaut, en fait, un texte placé sur une courbe va avoir une position de départ. Regardez ici, je ne sais pas si c'est très visible pour vous. Ça se passe ici. Euh, je vais avoir la position de départ qui est l'endroit où j'ai cliqué. Mais en réalité, ce que j'aurais pu faire pour mon, pour mon contenu, alors je vais prendre le texte et le couper. Et je vais annuler check, la mise en forme de ce texte-là. Encore une étape, voilà. Je vais lui demander tout simplement de couper cette ligne. Donc un coup de ciseau à droite, un coup de ciseau à gauche. Et je vais placer mon texte toujours avec l'usage du texte curviligne. Et je vais placer mon texte ici. Je vais venir caler mon texte en texte curviligne. Voilà. Je vais l'avoir ici. Et vous voyez que du coup j'ai bien le deux nuages qui va faire comme à l'origine, c'est-à-dire qu'il va, euh, qu va essayer de passer sur l'autre bloc, parce que ça va déborder. Petit plus, et je vais pouvoir lui demander de travailler sur l'autre ligne. Et là il a essayé de le faire, non pas en curviligne, mais en bloc. Donc on va l'aider d'abord. On va lui dire que ce petit plus de la fin ça va être aussi du texte curviligne. Donc sur une courbe. Et maintenant que j'ai deux textes curvilignes, je peux prendre le premier petit plus. Je peux aller l'accrocher au deuxième. Voilà. Et là, on va enfin y arriver. C'est un, un peu laborieux aujourd'hui, non Voilà. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rattraper avec mon, avec mon petit filet ici hop, le sens de lecture. Et je vais pouvoir choisir, par exemple, que deux nuages soient sur une seule, euh, sur une seule page. Et je vais bien réafficher mon image. Et je vais pouvoir choisir eh bien, le, le, la ligne de base de tout ça. Et de remonter peut-être un petit peu pour décaler mon texte, en faisant bien gaffe qu'à chaque fois que je remonte ma ligne de base, ici il faut que je resserre mon approche. Donc je vais resserrer d'autant pour pouvoir rendre tout ça lisible. Et je vais faire pareil dessous, c'est-à-dire que je vais décaler ma ligne de base, mais cette fois-ci à l'envers. Et pour le coup, je vais évidemment resserrer l'approche, d'autant pour que le texte reste lisible sans que le D touche la base. Voilà. Ça vous va, ça Donc je suis en train de faire ma couverture de livre. Ma couverture de livre, elle me permet d'avoir... mes différents blogs, d'avoir mes différents contenus. Le titre, ma collection de nuages, je l'utiliserai un peu plus tard. Et je sais que ce qui va se passer, pour moi... C'est que je vais avoir besoin de penser à la tranche. J'aurais pas forcément pensé à la tranche au départ. Et je vais vous montrer comment on la réalise dans InDesign et je vais vous donner un petit truc. Et je vais profiter de la présence d'IndeScript ici. Ici, dans InDescript, il y a ces marques qui est présent avec nous, qui nous fait des petits scripts. Quand je lance Clacos Pro par exemple, je vais avoir un script pour réaliser des camemberts. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que je vais aller sur Clacos en ligne. Je vais cliquer pour aller sur la version en ligne et je vais vous emmener vers un script qui est vraiment cool et qui s'appelle Hurry Cover. Celui-là, il est dédié à tous les gens qui font régulièrement des couvertures de livres. Et les gens qui ont besoin de faire ces couvertures de livres, eh bien, vous allez voir qu'on a plein d'options. Dans les options, on va avoir la, la largeur de page, on va avoir la largeur de la tranche, on va avoir les fonds perdus spécifiques au livre, avec les hirondelles, on va avoir la table de montage pour pouvoir penser à mettre un peu plus ou moins de matière, et on va avoir des métadonnées, parce que les métadonnées, c'est ce qui va nous intéresser quand on va vouloir exporter ce contenu-là. En tout cas, si vous faites régulièrement des couvertures de livres, avec des rabats, sans rabats, euh, avec, euh, des... avec le besoin de faire des repères, etc., n'hésitez pas à jeter un oeil là-dessus. Pour l'instant, je connais l'épaisseur de, boule... de mon livre, mais euh, peut-être que euh, je vais changer de papier, et du coup, je serais trop content d'être allé chercher Hurry euh, Cover directement en ligne. Ok c'était la petite note euh, importante du jour. Je vous montre comment on aurait pu le faire à la main. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre mon menu page, j'aurais pu lui dire bah, tiens, entre les deux, je vais glisser une page. Et cette page, je vais glisser une page il va me faire une double, ok. Et je vais prendre du coup une seule de ces pages et je vais la glisser là entre les deux. Et en glissant la page entre les deux, alors d'abord je vais me rendre compte d'un petit truc rigolo, c'est que là j'ai pas besoin de la page 4, mais c'est que sur ma couverture, du coup, comme j'avais anticipé d'avoir qu'une seule image, l'image, euh, le bloc n'a pas bougé. Hop, je vais dupliquer tout ça, je vais couper la moitié. Je me demande si le Recover ferait ça bien pour moi. Hop. Je vais prendre cette, cette image et je vais venir la coller ici. Je vais la coller au bon endroit sur la bonne page. Et je vais lui dire, en fait, cette tranche-là, elle est un peu épaisse. Je ne suis pas en train d'écrire un dictionnaire. Et si je n'écris pas un dictionnaire, qu'est-ce que je fais Eh bien, je prends donc mon panneau de, de pages qui est rangé ici. On a vu les options de plan de travail dans euh, Illustrator tout à l'heure. Outil page. Je vais pouvoir prendre cette page-là et je vais lui dire en fait, je crois que ce livre, il va faire 7 mm de, de décalage. Et je vais pouvoir avoir ce format. Alors attention parce que je dois avoir des marges dans mon document. Donc on va dire que le livre est un peu plus épais ou je, me, je vous range les marges. Allez, je range les marges. Euh, page, marges et colonnes sur cette page-là. On va lui demander d'avoir zéro. Mais on va quand même garder. On va quand même garder les 10 mm en haut, en bas. Ça fera plus joli pour la suite. Donc je lui dis ok, j'ai cette taille-là. 7 mm. Tac. Et là j'ai bien la bonne taille pour pouvoir faire la tranche de mon livre. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que maintenant je vais pouvoir coller par exemple eh bien, mon bout de titre. Je copie. Je colle mon texte. Par défaut, ma collection de nuages est sur deux lignes, donc je vais rectifier ça avec une espace. Je vais lui demander de mettre tout ça à l'horizontale, à la verticale. On va pouvoir reparler du débat récurrent sur les couvertures de livres. Est-ce que vous voulez qu'il soit lu Poser de gauche à droite ou lui poser de droite à gauche. Je suis en train de tourner la tête pour vérifier. Chez moi, j'ai les deux. Donc, euh, donc, à vous de voir. À vous de voir en fonction de votre habitude, en fonction des éléments que vous mettez dans vos livres. Ne pas oublier là-dedans, puisqu'on a joué sur tous ces textes-là, euh, de régler à nouveau la ligne de base et l'approche de régler la taille du texte. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir votre texte en 20 points sur la tranche. OK. Et une fois que tout ça c'est fait, ma collection de nuages, je vais pouvoir récupérer le petit bout de texte qui est là. Et je vais faire un majuscule T pour pouvoir coller le nom de l'auteur. Je n'ai pas besoin du par, c'était joli au début, mais ça n'a plus d'intérêt ici. Je vais mettre tout le monde à 15 points. Je vais regarder ce que j'ai comme retour chariot ici. Voilà. Donc 15 points, c'est bien pour celle-ci, c'est pas du tout bien pour celle-là. On va pouvoir lui demander de réduire un peu. 12. Et voilà la couverture de mon livre. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai choisi les marges, j'ai laissé les 10 mm, parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ça va me servir pour m'appuyer. Et pour appuyer tout mon contenu par la suite. Pomme Y pour pouvoir voir le contenu et je vois que j'avais fait des V tout à l'heure par erreur. Est-ce que vous connaissiez d'ailleurs ici le fait que j'ai un bloc, j'ai un seul bloc de texte et que dans mon bloc de texte, eh bien, je vais retrouver à la fois le texte ferré à gauche et le texte ferré à droite Vous connaissiez ça En fait, entre les deux, Ici, j'ai un caractère invisible dans InDesign, afficher les caractères masqués. Et ce caractère masqué dans InDesign, c'est ce qu'on appelle dans le menu texte, avec le caractère spécial, c'est un caractère euh, autre, qui est une tabulation de retrait à droite, majuscule tab, pour pouvoir, euh, pour pouvoir envoyer votre texte au bout de votre pavé. Ça, c'est toujours utile. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça... Et si tout le monde est encore là, désolé d'avoir de, de, débordé sur l'horaire que vous aviez peut-être imaginé au départ. Pomme Y. Oui, j'ai encore plein de choses derrière le nuage. Tic, tic. Une fois que vous avez fait ça, on va avoir la problématique de la, de la couverture qui est gérée, mais que j'aimerais bien transformer peut-être. Allez j'enlève le point parce que sur une couverture c'est étrange. J'aimerais bien transformer peut-être tout ça en un livre un petit peu plus euh, en une affiche autour de ce livre. Et donc je trouve que la couverture est cool. En tout cas à l'époque je trouvais que la couverture était cool, aujourd'hui je sais pas encore si j'y reviendrai pas. Euh, et j'aimerais bien réutiliser peut-être ce visuel là pour faire une petite, euh, une petite affichette. Ou alors je le laisse tel quel pour l'instant. Allez, je le laisse tel quel pour l'instant. Euh, je sais que là, c'était le premier exemplaire de ma collection. Peut-être que demain, je vais en tirer plein d'autres. Et si j'en tire plein d'autres, il y aura peut-être, euh, comme ici, eh bien, une gamme de collections. Euh, ici, c'était la collection des livres écrits en bleu. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je crois que je me base beaucoup trop sur l'édition euh, scolaire en ce moment. Euh, une fois que j'ai fait cette petite, euh, cette petite vignette, je vais peut-être avoir le, le logo de l'éditeur. Pourquoi pas Ça fait partie des petites choses qui arrivent quand on fait des, quand on fait des livres. Et puis je vais peut-être avoir... Pardon, ça c'est bon, je vais peut-être valider, verrouiller l'image. Et puis je vais peut-être avoir dedans d'autres éléments qu'on qu va retrouver souvent. Donc un petit logo d'éditeur. Le logo d'éditeur si j'en ai besoin. On va le fabriquer. Je vais prendre mon bloc. Check je prends mon texte, mon éditeur s'appelle ME comme mon éditeur ou il s'appelle FP parce que voilà check FP il va avoir une typo comme celle-ci en blanc, c'est un peu moche hein. je prends la couleur du texte couleur papier FP et comme on ne va pas y passer 8 jours je vais juste prendre ce bloc là. FP fait des livres. Si fait des livres, on va le ressentir sur le logo. Voilà. Et si j'avais vraiment pris le temps de faire les choses bien, j'aurais choisi une typo, j'aurais mis quelque chose de plus, de plus élégant. Allez, Funky Dolly sera mieux pour ça, quand même, mine de rien. Et donc, en ayant choisi mon logo, euh, je peux tout à fait le prendre. Et si je sais que c'est un logo que je vais réutiliser souvent, petit plus, je l'ajoute ici en tant qu'élément graphique sur ma mise en page. Okay. Ce qui fait aussi que le logo, je vais pouvoir le glisser depuis, ma, depuis mon, mon bloc. J'aurai mon logo en illustration. Euh, je vais pouvoir lui demander de le glisser avec la même disposition. Euh, sur ma page. Ça, ça va être un truc qui va être assez crucial pour nous. Donc, je vais placer le logo, Hop, FP édition, qui est là. Je pourrais éventuellement le mettre sur la tranche, etc. etc. Euh, ce que je vous ai promis tout à l'heure, c'était de me dire, à partir de la couverture, je vais aussi faire l'affiche, je vais aussi retravailler sur le reste. Donc, je vais prendre tous les éléments, et cette fois-ci, je vais prendre aussi la partie image. Je vais prendre tous ces éléments-là, copier. Je vais me faire un nouveau document qui sera un document au format 140/140 -140, avec cette fois-ci pas de page en vis-à-vis -vis et une seule page de di à dispo ok je vais lui demander de coller tout ce petit monde en place et ça en fait c'est la mise en page de ma couverture alors est-ce que je dois décaler oui je dois décaler à virgule ça, c'est la mise en page de ma couverture pour, le, pour une édition. Cette mise en page de couverture, donc, je vais peut-être souhaiter en faire une affichette parce que je trouvais que c'était important. Et bien, pour faire l'affichette, je peux passer dans le menu page. Et dans le menu page, je vais lui dire qu'on va faire une variante de cette mise en page. Cette mise en page, par défaut, elle est en 140-140. Je vais lui dire que j'aimerais bien en fait faire une mise en page format A4, vertical, 210-297. Et que les éléments, en fait, ils vont être mis à l'échelle, tout simplement dans la page, en liant les articles, c'est-à-dire tous les textes qui sont dedans, en redistribuant le texte et en copiant les styles. Je vais pouvoir appliquer ça. OK. Et tous les éléments que j'avais appliqués ont été remis à l'échelle proportionnellement parce qu'on essaye de ne pas remettre proportionnellement les, les contenus par erreur, si, enfin non proportionnellement, sinon ça peut être un peu étrange. Et après vous allez choisir justement. Euh, tout à l'heure, quand j'ai réalisé en fait la première partie de notre, de notre document, bah, je suis allé chercher carrément une vignette qui était censée me donner envie d'aller chercher mon livre. Donc j'ai fait une mise en page. Format A4. Sur cette mise en page, eh bien, je suis allé chercher une photo. La photo, pour l'instant, elle est placée plein pot. C'est très bien de placer des photos plein pot. Mais euh, techniquement, moi, j'ai besoin de la photo dans cet espace-là. Et vous connaissez tous le grand jeu qui consiste à prendre vos images et à les recadrer comme vous en avez besoin. Et eh bien ce que je vais faire ici c'est que je vais demander une fonction hyper utile d'InDesign. De, de, de On va voilà, zoomer un petit peu. On va aller voir là-haut. Cette fonction elle est là, c'est l'ajustement d'après le contenu. Regardez bien quand je clique, il va regarder mon image et il va me dire ouais, mais tu vois le point le plus important de ton image, c'est ce petit modèle ici. Je vais pouvoir du coup reprendre ma couverture de bouquin, copier, grouper tout ça copier, poser tout ce petit monde là sur la page. W pour voir un petit peu tout le monde. Regretter de ne pas avoir mis un petit cadre blanc derrière. Oui, je regrette. Un cadre qui faisait 140, si je dis pas de bêtises. Voilà, en blanc. Et en arrière-plan de mon bloc. Et tout ce petit monde-là, y compris le cadre, je vais pouvoir les placer, les utiliser pour la compo de mon bouquin. Je peux le faire aussi avec un PDF ça m'évitera tout un tas de galères. Allez, je vais me faire mon PDF ici. Fichier, exporter. Et je vais exporter mon fichier au format PDF pour l'impression sur le bureau. Livre, nuage, indie. Et je vais pouvoir exporter tout, éventuellement en planche si je sais que je veux le lire en entier, mais ici je vais le sortir en page. Je vais exporter tout ce livre. Il me prévient, attention, il y a des choses qui débordent. C'est normal parce que j'avais encore du texte à remettre en place. Et je vais retrouver en fait les différentes pages de mon livre, la tranche, etc. etc. Ce sera beaucoup plus facile pour moi par la suite de reprendre les éléments de ce, de ce livre. Hop d'aller les importer donc depuis le bureau. Donc on se rappelle tout à l'heure le petit raccourci qui avait été proposé par, euh, par euh, Alexandre, majuscule ouvrir, pour choisir la page précise que l'on veut envoyer. Je lui dis que je veux cette page là. Par défaut l'arrière-plan est transparent, mais c'est pas gênant. Moi ce que je vais faire c'est que je vais lui demander maintenant d'avoir un arrière-plan blanc. Et du coup je retrouve la page de mon bouquin. Si je fais commande majuscule cette fois-ci on va pouvoir réduire un petit peu tout ce petit monde là pour proposer mon illustration et donc je vais avoir mon affichette et à côté de mon affichette et eh bien je sais que je vais avoir des besoins pour les réseaux sociaux et donc pour les réseaux sociaux ce que je vais pouvoir faire en plus c'est que je vais pouvoir lui dire ben bah ouais, en fait j'ai besoin d'une variante de mise en page donc le livre s'appelle ma connexion nuage on va venir le récupérer sur la tranche qui est là Hop. Je mets tout ça en place. Je suis dans du bleu, on va mettre du blanc. On va augmenter Oups. le corps de texte autour de tout ça. Voilà. Gérer un petit peu de la mise en page sauvage. Et tout ça, en fait, je vais vouloir me faire bah, la version pour les réseaux sociaux à partir de la même image. Et donc, je vais pouvoir lui dire que mon affichette ici, eh bien, page, mise en page, crée une variante de mise en page. Et cette variante de mise en page, je vais pouvoir choisir comment je la détermine. Je vais pouvoir choisir, par exemple, que euh, là, je l'ai fait en mise à l'échelle tout à l'heure. Donc, il a tout mis à l'échelle. Mais dès que je vais changer de format, ça risque d'être bizarre. Donc, je vais pouvoir m'entraîner. Je vais pouvoir m'entraîner avec, par exemple, ici, l'option, l'outil de page. Et je vais pouvoir agrandir. Par défaut, je vois que rien ne se passe. Donc, je vais lui dire, mais OK, une fois que ça, si ça, ça a besoin d'être agrandi, peut-être qu'il faut que je lui demande, en fait, de faire ce qu'on appelle la mise à l'échelle basée sur l'objet. Et la mise à l'échelle basée sur l'objet, je vais pouvoir lui dire bon, en fait mon élément ici, on va zoomer dessus, on va zoomer un peu sur l'élément, et je vais zoomer en grand ici. Mon élément en fait il va être scotché au bord de la page. Pareil en bas, je vais venir prendre la couve et je vais, je vais prendre mon élément ici et je vais pouvoir lui demander de, de l'accrocher en bas. Et je vais pouvoir lui dire que la dimension de mon objet pourra être proportionnelle. Je vais pouvoir faire de même avec le texte en haut. Et maintenant, je vais tester tout ça. Et quand je vais agrandir mon objet, vous voyez que les blocs vont se déformer plus ou moins. Alors ici, du coup, je regrette la mise à l'échelle. Je ne vais pas le faire. Je peux lui demander aussi que pour ce bloc-là, eh bien cet objet là en fait ils suit ce qu'on appelle des règles de mise en page liquide donc ça se trouve dans la page dans le panneau mise en page liquide qui est d'ailleurs un des panneaux qui devrait se retrouver dans le menu fenêtre et qui n'y est pas il est bien dans le panneau page je vais pouvoir lui demander hop on va le mettre ici mise en page liquide de garder donc mon élément va être dimensionné en hauteur et en largeur qui va conserver en accroche l'ajustement automatique le point de référence en haut, en bas, à gauche, à droite, puisque tout va pouvoir être redimensionné. Et maintenant quand je vais déplacer la page, regardez bien, tac, je vais bien avoir la mise en forme qui va se faire toute seule. Okay Et la magie de tout ça, c'est que l'image en question, dans les options d'ajustement de cet objet, clic droit, contrôle-clic ou clic droit, option d'ajustement qui doit se trouver, ajustement. Option d'ajustement du bloc. Et eh bien, je vais lui dire en fait, ce bloc va être ajusté, va remplir le bloc automatiquement, proportionnellement, et il va être ajusté de manière automatique. Ce qui fait que quand on va redéfinir les dimensions, mais eh regardez bien la, la, la petite fille qui est au milieu, elle va toujours rester en place dans mon bloc. Et je peux le regarder en attendant, en espérant, voilà, qu'il me fasse la meilleure, le meilleur choix de mise en page pour mon contenu. Ça va ça Ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai préparé ma mise en page liquide, une fois que j'ai trouvé les différents formats qui allaient, qui allaient me convenir, je peux prendre mon plan média. Et une, je prends mon plan média et je lui dis, bah OK, variante de mise en page dans mon plan média, tu vas aller me chercher s'il te plaît le format de page qui sera personnalisé. Euh, je sais que je vais vouloir faire une euh, story Insta. Story Insta. Et que ça va être du 1920-1080. Euh, non, du 1080 pixels sur 1920 pixels. OK. Du coup en vertical j'ajoute ce format là. Je vais avoir un post insta qui sera en 1080-1080. Et je vous laisse faire votre propre plan média par la suite. Mais du coup je vais lui dire bah, ok, là tu vas me faire donc la story insta qui va être redéfinie par les règles basées sur l'objet, lier les articles, les contenus, etc. Et du coup il me reprend. La même mise en page et ça c'est mon post c'est mon ma story insta dans le mauvais sens autant pour moi mais c'est pas grave je reprends ma page donc, page créer une variante de mise en page et je vais lui dire j'aimerais bien avoir cette fois-ci donc le format de page ce sera post insta 1080-1080 en vertical, je pense que je m'étais vautré tout à l'heure, il va bien me baser les contenus dessus, et je vais faire de même ici le, la variante de mise en page. Cette fois-ci, on va prendre la story Insta en vertical, ce sera plus malin, Hop. et je vais avoir du coup les bonnes variantes sur ma page cette page là en réalité le story insta horizontal j'en ai pas besoin Hop, vous ferez des postes dont vous avez besoin et je vais pouvoir lui demander éventuellement de corriger certains éléments et si je me dis que finalement ma collection de nuages euh, ça aurait été intéressant de mettre un petit bout de texte dessus euh, ma collection de nuages 2 parce que vous sortez le tome 2 dessus eh bien ce que vous allez voir c'est que tous vos textes sont liés de part et d'autre et donc, je peux lui demander de prendre le texte lié. Je peux lui demander d'aller de, chercher dans mon panneau de liens dans InDesign, de voir éventuellement sur quelle page on n'est pas encore passé à la version 2, et de corriger toutes mes pages. Ok Évidemment, quand j'exporte ces contenus, si j'exporte en PDF, bah, j'ai exporté mon sans-titre 3, donc je vais l'appeler campagne. J'aurais dû appeler mon document campagne, ça aurait été plus malin. J'ai un PDF de tout ça. Mais ce qui va être beaucoup plus cool pour nous, c'est que comme je vous l'ai dit, je préparais une campagne média, une campagne web. D'abord, je vais enregistrer mon fichier sous le nom de campagne, campagne nuage. Voilà. Quand je vais exporter mon fichier, je vais l'exporter au format JPEG, par exemple. Exporter au format JPEG, il va m'exporter toutes les pages. Qualité élevée, ligne de base, etc. J'exporte. Vous pouvez choisir d'ailleurs les pages qui vont être exportées. Et maintenant, depuis InDesign, eh bien vous avez créé votre page de campagne. Et si je regarde les dimensions de cette page, 1080-1080. Si je regarde les dimensions de la page suivante, euh, 1080-1920. Donc j'ai directement, depuis mon document, ces éléments-là qui sont prêts. Ça vous plaît ça Ouais. Moi, ça me semble important. Ça me semble assez important, et ce qui va me sembler important là-dedans, c'est qu'on va pouvoir avoir un dernier petit, euh, un dernier petit réglage, une dernière manière de travailler là-dedans. Je vais vous partager ça. C'est qu'on va travailler sur le Creative Cloud. Donc, je sauvegarde ma campagne nuage, je sauvegarde. Pas du tout ça, parce que finalement j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de remettre à l'échelle. Je sauvegarde mon livre nuage, parce que j'aurais trouvé ça cool d'y avoir accès tout à l'heure, et je vais le renommer, parce que je suis beaucoup plus malin maintenant qu'il y, qu y a un quart d'heure. Donc on a campagne nuage, et on a livre nuage, qui est prêt. Celui-ci ne me sert plus. Je vais me faire un nouveau dossier dans mon Creative Cloud, Hop, dans les fichiers de démo. Celui-ci s'appelle Nuage. Je vais récupérer tout ce petit monde parce que j'aurais trouvé ça plus cool d'y avoir accès tout à l'heure. J'ai le texte éventuellement, j'ai même les rendus. Vous, vous rangerez vos dossiers euh, le mieux possible s'il vous plaît, hein, mieux que moi. Et donc je vais vous partager mon téléphone. Donc ne m'appelez pas les gens qui me connaissent. Et je vais vous partager mon téléphone via QuickTime. Check. Croisez les doigts pour que tout se mette en place comme espéré. Nouvel enregistrement vidéo pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur mon téléphone. Hello, ça c'est moi. Ça c'est mon téléphone. Sur mon téléphone, et sur le vôtre aussi hein, d'ailleurs, vous avez accès à votre application Creative Cloud. Moi je m'en sers très régulièrement. J'ai un dossier qui s'appelle le dossier nuage. Dans le dossier nuage, vous devriez reconnaître un peu vos contenus. Et vous allez remarquer que tout à l'heure, j'ai pris soin de prendre mon fichier campagne 3 qui est un fichier JPEG pour faire mes exports. Et du coup, j'ai mon contenu directement pour la pour la campagne, OK Donc ce truc là, je pourrais l'exporter directement. Mais je vais vous montrer encore mieux. Enfin, je trouve que c'est encore mieux. Je vais reprendre mon fichier de campagne. Non pas en PDF, hein, c'était pas très malin. Hop. Fermez tous les onglets. Mais je vais prendre campagne nuage qui est là. Je vais prendre le texte ici. Et puis, je vais le mettre à l'échelle parce que mine de rien, on est sur Instagram. On a besoin d'un peu d'espace. J'aurais pu anticiper des jeux de repères pour avoir vraiment de la place dessus. Euh, on va décaler un petit peu la main, etc. Voilà. Euh, J'ai la taille de mon bloc qui est plutôt bien réglée. Hop, on va l'agrandir un tout petit peu parce que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. D'ailleurs, je peux lui demander, et ça je vais le faire à partir du fichier de départ, je vais prendre mon bloc. Je ne sais plus s'il le gère sur le fichier de départ. Si je, je rajoute une ombre... Non, il n'a pas dupliqué le bloc de cette manière-là. Ça aurait été trop beau. Du coup, je vais le faire autrement. Je vais pouvoir lui demander que ce bloc-là soit le style, par exemple. Toujours est-il que j'ai retravaillé ma campagne j'ai retravaillé mon élément avec le bon visuel je trouve qu'on est plutôt pas mal là dedans j'ai ma campagne de promo qui est prête à partir sur Insta euh, j'ai besoin de gérer euh, de gérer bah tiens le, le logo de l'éditeur ça tombe bien je l'ai dans mon je dans mon ma bibliothèque je vais pouvoir le rajouter ici centré sur la page agrandir un petit peu les choses Hop Centrer le contenu. Vous faites vos mises en page. Vous êtes dans InDesign. Vous savez le faire. Enfin, je l'espère. Je vous le souhaite. Euh, mettre une ombre, mais qui soit un petit peu moins violente que celle-là. 30, c'est suffisant. Couleur. On va garder notre couleur de bleu parce que je l'aime bien. Ok. Et plus large. Voilà. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai préparé tout ce petit contenu. Je sauvegarde mon fichier InDesign. Est-ce que vous croyez que je fais mes exports avant de travailler Eh bien non, pas du tout. Je retourne sur mon téléphone. Vous voyez, là, dans, pardon, sur le bureau, dans mon dossier de Creative Cloud et de nuages, il vient de me mettre à jour le contenu. Eh bien, je retourne sur le téléphone. Et évidemment, sur le téléphone, le fichier que j'avais choisi, c'était un fichier JPEG. Mais regardez bien ici, je vais recharger, j'ai une mise à jour à l'instant de mon fichier InDesign, et à l'instant, je vais retrouver mon contenu. Et je suis coincé parce que par erreur, j'ai pas la bonne fonte dessus. Et je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu parce qu'en réalité ce que j'aurais fait c'est que j'aurais pris l'export de mon fichier, il m'aurait préparé ce contenu au format jpeg, et je l'aurais enregistré non pas tout le fichier pdf mais j'aurais enregistré l'image. Exportation rapide. Donc, je peux charger tout mon fichier original, ce qui m'intéresse moins aujourd'hui. Moi, je veux juste exporter rapidement ce fichier dans les fichiers sur mon, sur mon téléphone, ajouter. Et du coup, je vais avoir les différentes pages à dispo. Et c'est celle-ci uniquement que je souhaite. Et du coup je vais pouvoir lui demander directement d'aller chercher donc dans les fichiers de retrouver ma campagne et de pouvoir éventuellement l'exporter et l'utiliser sur ma tablette. Ok Ouais, il va falloir ranger effectivement. Donc ce que je vais faire si je veux être un peu plus prudent, c'est que je vais me refaire mon export JPEG dans le même dossier, remplacer les précédents fichiers, hop, écraser les précédents. Retourner sur le téléphone, regarder ce qui se passe dans le dossier. Campagne 3, du coup, sera au bon format. Vous voyez, je ne le faisais pas à partir du InDesign. Je pense que j'avais dû anticiper cette petite blague des typos. Exportation rapide, enregistrer mon image ou directement. Exportation rapide et publier sur Insta. Alors, je ne sais plus si j'ai accès à Insta tout de suite. Hop. OK. Il est là publier sur Instagram, écrire une légende, et voilà mon fichier. Okay donc ça, c'est ce que je fais sur Insta, <laughs> mais derrière, en fait, je vais tout simplement prendre mon Instagram, et je vais lui demander de prendre ma story, petit plus, de rajouter donc la dernière image, et de publier telle qu'elle. avec mon petit bout de texte. Conçu en direct chez Adobe France. Tu vois ça, vous voit, ça Et oui, il y a un logo FP maintenant il est tout neuf, je suis pas sûr de le réutiliser plus tard. Je rajoute ma story et on est bon. Donc si tout ça vous va bien je tiens à vous remercier pour votre patience en début de session, parce que je m'étais un peu égaré. Euh, merci beaucoup pour le, le contenu. Ouais, la mise en page liquide, c'est vrai que c'est assez pratique. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'en servir. Euh, J'espère aussi bien que vous allez pouvoir compléter un peu tout ça. Donc, euh, merci à Alex pour les liens. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à faire un saut sur Biens pour retrouver différents projets différentes in inspirations pardon euh, ne pas hésiter aussi à contacter et à suivre la page youtube adobe france sur laquelle vous allez pouvoir donc euh, voir les prochaines sessions on se retrouve d'ailleurs à 14h avec stéphane baril et l'autre point qui vous sera utile c'est de savoir que vous pouvez prendre les notifs de tout ça euh, autre point, dernier point Puisqu'on a parlé d'Instagram tout à l'heure Alors évidemment j'y suis Mais vous avez vu que j'avais volontairement tagué Sur Instagram J'ai tagué Adobe France Parce qu'ils y sont présents et donc, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir leur Instagram. Il y a plein d'inspirations, que ce soit en photo ou en illustration, etc., etc. Donc, ils sont disponibles ici. Et si vous voulez les autres infos, vous les retrouverez aussi sur le compte Twitter, à la même URL, donc Adobe France. Okay euh, Thibaut me demande une démo in copy. Bah, je la note, je note pour plus tard, parce que ça pourrait être utile. Hop. Sur ce, bah, merci à tous. Et rendez-vous à tout à l'heure. Bye bye